justice <laughs> and Comme tout, quand le générique on n'arrête pas, et bien il continue. On avait envie de faire une alerte générale de générique ce soir, mais bon, à mon avis vous n'auriez pas apprécié les masses. En tout cas, merci à tous d'être là ce soir. Vous avez remarqué, j'ai un peu la voix cassée. C'est pas parce que j'ai crié, c'est parce que je fais une conférence à Nîmes chez nos amis de l'Olive. D'ailleurs, je remercie Sébastien pour l'avoir organisé et j'ai perdu ma voix, mais c'est pas grave. On est là ce soir, donc les loulous ont accepté de décaler d'une soirée l'émission euh, de manière à ce que je retrouve ma petite voix. Salut à tous, vous êtes sur alerte générale. Numéro 10, déjà numéro 10. En tout cas, merci à tous êtes déjà très nombreux. Les amis, comment ça va ce soir <laughs> Voilà. Tu... <laughs> Une certaine lassitude, tu vois, c'est l'envie de sortir de l'hiver. Voilà, le, il faut penser printemps, là, tu vois. J'ai envie de penser printemps. Oh, oh oui, d'accord, ok. Et toi, Rémi la France gagner, ouais, ça, ça bricole, je m'en remets aux valeurs essentielles de la vie, comme on se disait en off. Moi, la France a, a bouté les Anglais, ça, au rugby. Bon, ça, je me contente de ça. Moi, je crois que <laughs> ça suffira bien. On va commencer comme ça, les copains. Merci beaucoup d'être là ce soir. Vous savez, partagez, likez, abonnez-vous aux chaînes de Rémi et Juste Milieu. Et abonnez-vous, bien sûr, suivez la revue de presse d'Alexis le matin, vous le savez. Vous avez tous les liens en bas de la vidéo pour vous abonner à toutes les chaînes. C'est très important. Et soutenez-nous, abonnez-vous partout. Et soutenez-nous pour que nous puissions rester en vie. Allez, on commence ce soir. De quoi on va parler On va parler du livre secret de Bruno Le Maire. Euh, parce que, quand même, Bruno Le Maire, il a le temps d'écrire des bouquins. Il flingue la France. Mais euh, il a son bac à sable à, Ber à Bercy, mais il écrit les bouquins. Ensuite, on va parler de Najat 3 Giga. Euh, naja 3, 3 Giga, c'est Najat, Najat Vallaud-Belkacem euh, qui veut réduire la bande, la bande passante. On va en parler. Est-ce que Macron s'est-il foutu de la gueule de nos agriculteurs Et ensuite, on parlera de Valérie Ayer. Est-ce qu'elle est mieux que Nathalie cui, -Cui On va en parler. Oui. Et bien sûr, à la fin, à la fin, à la fin, l'instant BFM TV. Messieurs, un peu de promo tout de même, un peu de promo. Alexis, quel promo euh, bah écoute, euh, on lance une newsletter sur Substack. J'y étais pas encore. Alexis Poulain, euh, Substack. Euh, quotidiennement, vous allez avoir euh, les, les news euh, importantes, plus le replay de la revue de presse, etc. Et petit à petit, on va essayer de faire du contenu euh, premium aussi. Euh, je cherche toujours des dates euh, pour faire comme Rémi. Euh, alors, moi, c'est une revue de presse live. C'est pas un spectacle écrit. C'est un peu plus. Euh, un peu plus baroque <laughs> mais euh, voilà je je pense aller à Nîmes prochainement du coup euh, à l'olive et puis euh, d'autres dates à, rel à relancer euh, et puis, et puis une nouvelle qui a fait grand bruit puisque nous allons, euh, eh oui, c'est le printemps, j'en je, parlais. Hein. Euh, eh bien, nous allons lancer, c'est la saison des élastiques à chibre. Nouvelle, nouvel arrivage d'élastiques à chibre en direct de Chine. Euh, alors c'est un, c'est un, c'est un, un petit objet qui a fait le succès de la rue de presse du Monde moderne. Hein. Il y a ceux qui l'ont et ceux qui l'ont pas. Donc euh, bientôt, il y aura ceux qui auront. Alors c'est la version sans limite, hein, nos limites. Comme Emmanuel Macron pour être vraiment une star. Euh, ouais. Voilà, donc euh, ça, ça arrive bientôt. Donc euh, restez, restez. Connecté sur les réseaux du monde moderne, euh, c'est tout, tout bientôt que ça arrive. Bon, ben ça, c'est super intéressant. Il y en a qui ont du bitcoin, il y en a qui n'ont pas, et puis il y en a qui ont bientôt. <laughs> que nous propose le cher Alexis Ah moi, non, moi, je veux pas de la monnaie, non, non, moi, je veux tu vois, il faut investir dans des trucs concrets, hein, un objet, un ouais. bel objet, tu vois, un bel objet, ouais, voilà, ouais. Euh, moi, moi, <laughs> voilà. Moi, c'est béloubé moi, Nicole Beloubé. Voilà, moi, s'il y a, a un token qui sort là-dessus, j'achète à mort. Euh, Rémi, toi, ton, toi, ça part en vrai, il des suite c'est formidable. <laughs> on 19 mars, on n'arrivera jamais au 30 mars comme ça. Euh, Rémi, toi, là, pour moi. Bah, écoute, ouais, le, le, pour l'instant, la, la, la grosse actualité qui me, me cause une augmentation de plus de 120% du budget slip, parce que je commence gentiment à me chétir pour dire les choses poliment, c'est le spectacle. C'est le spectacle qui arrive avec. Deux dates de rodage euh, du côté de Toulouse, dont je reviens un petit peu à la, à la okay. maison. Deux dates qui sont déjà complètes. Donc, je vous dire je suis en pleine phase. Là, je suis en train de prendre le boulard terrible. Je suis une sorte de le nouveau ouais, Mbappé du stand-up, je vous le dis, parce mmh. qu'on fait des dates et les gens ont la mauvaise idée de venir. Donc, euh, ouais. Lausanne le 4 mai, on est complet. Le 12 juin à Paris, on sera complet. Mais à Dijon, le 11 mai, il reste des places. Après, on sera euh, du côté du Nérac, entre rhodes et Aurillac, le 18 mai, il reste des places. Et après, c'est Béziers, Narbonne, Foix entre le, 5, le 4 et le 7 juin. Mmh. Voilà, c'est le début de l'aventure. Donc, euh, j'ai à la fois hâte et à la fois euh, peur. C'est un savant mélange. J'ai l'impression d'être un nouveau député à l'REM. Je sais que je vais me faire emmancher, mais je ne sais pas comment. Et ça, c'est mais... intéressant. Mais tu ne devais pas faire la, 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 la cérémonie d'inauguration sur la scène. Un, un hors-board présidentiel, non Juste pour faire un petit truc comme ça, non Pour les Jeux Olympiques ah ouais. Non, je te je remercie, je sais que j'ai pris du bois, mais je suis du poids, mais je ne suis pas encore gaulé comme une barbe, ça va. Hein, T'es sympa, Nico. Ça, ça commence très très mal cette émission. Je tiens à le dire, je me désolidarise. Ah, je... cool. Bon, pour moi, ma petite promo, elle, je porte le porte sous le t-shirt, c'est la marque Bonjour. Euh, c'est partenari partenariat. Il n'y a pas de partenariat, c'est vraiment par amitié que je fais, c'est des copains, ni moi, qui lancent cette marque-là. Vous avez le petit truc, voilà, ils font pas mal de trucs, pas mal de, de, de euh, c'est des jeunes moi qui ont lancé une boutique et franchement, je voulais simplement les soutenir à titre gratuit. Donc merci à toi euh, de m'avoir euh, donné ce t-shirt et vous avez tous les infos en bas de euh, de la vidéo. Voilà, si vous voulez vous équiper équipe pour l'été, c'est avec des jeunes moi qui lancent ça et ils ont bien du courage et bien du mérite. Allez. On commence, chers amis, avec euh, le livre secret de Bruno Le Maire. Alors, attendez, on va se, on va se mettre la petite photo, parce que moi, Bruno Le Maire, je l'adore. C'est mon idole, vous le savez, il est génial. Voilà, le livre secret euh... de Bruno Le Maire. JDD, regardez comme il est beau. Regardez ça, cette, cette tête de champion. Alors, est-ce qu'on euh, est qu est qu sait ce qu'il y a dans ce bouquin ou pas, euh, les copains, Alexis notamment Alors, euh, oui, on sait ce qu'il y a. C'est 170 pages, je crois, de… De, de bonheur. Voilà, 160 pages de petits bonbons euh, où la France va bien, où tout ouais. est extraordinaire, où la France est le pays de l'avenir, euh, à la fois le pays du passé par tous ses acquis et machin, mais que quand même c'est le plus beau pays du monde, le plus grand. Et, euh, et voilà. Et alors ce n'est pas un livre de projet politique, ni un livre programme, ni une profession de foi. C'est un cri d'amour. Hein. Voilà, c'est d'abord ouais. et avant tout un cri d'amour. Alors, il oublie quand même, évidemment, tout ce qui ne va pas, puisque c'est de son fait. Hein. La politique économique, quand même, du gouvernement est une catastrophe depuis sept euh, ans maintenant, et, et, et avant cela aussi. Euh, et il fait croire que tout va bien. Il était, euh, Bruno, aujourd'hui à Berlin pour faire un discours sur la politique économique du 21e siècle, hein, du continent européen. J'en parlais ce matin dans la revue de presse. Euh, c'est une vaste blague, en réalité, puisqu'on a affaire à des gens euh, qui ont choisi de faire de l'Europe un nain politique, économique, euh, diplomatique et militaire, et qui maintenant voudraient tout changer. Hein. Et les mêmes. Et pourquoi ils ont choisi ça Parce qu'ils ont été programmés euh, pour être atlantistes dès le plus jeune âge, hein, en passant par tous les programmes de Young Leader et autres. Et donc ils ont fait de, de l'Europe une place de marché tout simplement où la concurrence était la seule valeur euh, suprême, et où alors qu'en Chine ou aux États-Unis la puissance publique investit euh, dans les entreprises nationales, euh, la commande publique est orientée vers les entreprises nationales. Euh, en Europe, c'est pas du tout ça. Dès que vous avez un appel d'offres, eh ben, c'est Google qui gagne, c'est Amazon, c'est Microsoft. Hein, les données de et des Français, vous le savez, vont être hébergés par Microsoft, et c'est ces gens-là qui ont mis en place hein, l'incapacité euh, économique de l'Europe, qui maintenant voudraient nous faire croire qu'ils ont la solution euh, et qu'il faut y aller. Et Bruno Le Maire, quand même, lui, il est génial. Alors, euh, il est d'abord écrivain avant d'être ministre. Hein. Ouais, ça c'est quand même le grand truc, ça c'est la spécificité française. Les mecs écrivent des bouquins, parce que tu parles de plein de trucs aujourd'hui dans, dans, dans la, euh, le sommaire, mais il y a pas le bouquin de Marlène Schiappa qui arrive aussi. Hein. Marlène ah, Schiappa oui. qui ne rend pas l'argent du Fonds Marianne, mais qui va écrire un roman de gare tout pourri dont l'héroïne est une ministre. Hein. Voilà, donc il y a aucune limite à la honte. Euh, mmh. C'est-à-dire que on savait que, bon, euh, globalement, le moment qu'on vit est d'une obscénité politique rare, d'une bêtise aussi assez crasse, mmh. mais là, avec une telle fierté, tu vois moi, ça, 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 ça me souffle en fait de dire, mais qui va les arrêter Comment À quel moment on dit, mais ces personnages sont ignobles Ils ont mis en place la réforme des retraites pour ensuite, aujourd'hui, nous dire qu'il y a un problème en fait avec l'emploi des seniors et qu'on n'arrivera pas au plein emploi. Mais ça, on le savait. Il fallait nous écouter. <laughs> on était des millions dans la rue pour dire, faites pas ça, bande de tocards. Et donc, euh, à un moment, euh, le problème, c'est que eux, ils ont euh, les blindés euh, sans tort, ils ont euh, des compagnies de CRS, ils ont des stocks de lacrymo, et donc ça fonctionne comme ça. Euh, c'est proprement lamentable. Je vous cache pas que ce bouquin ne sert à rien, hein, évidemment. Même d'ailleurs le JDD qui a fait l'interview de Bruno Le Maire dit, bon, on l'a lu, euh, bon, euh, c'est sympa, hein, mais bon, c'est quand même bidon. Euh, mmh. Et, et c'est tout comme ça, c'est à l'image de la Macronie. Quoi. C alors la Macronie, c'est quand même un, un moment maintenant, c'est un septennat, vous vous rendez compte, et ça va faire dix ans au bon, total. Bon, euh, si, si 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 d'ici là euh, voilà la, la France existe encore parce que vraiment ouais. euh, on vit on vit un délitement mais en, au quotidien hein, c'est un truc de dingue euh, avec cette obscénité médiatique qui voudrait nous faire croire que tout va bien et un Bruno Le Maire qui est quand même le ravi de la crèche absolue quoi il est formidablement mon cher Ami, Bruno Le Maire, Bruno le rigolo, tu le sais, Nono, alors oui, non, je ne sais pas ce que j'ai gueulé sur Bruno Le Maire ce matin de mon édito, mais c'est parce que j'ai fait une conférence. Voilà, parce qu'on me pose la question dans le live. Euh, Bruno Le Maire, on se régale ou pas on est notre, bien notre, un euh, notre, chef, notre chef pâtissier Poulain nous a offert ouais. un magnifique gâteau, alors j'y souscris évidemment. Oui. Quelque, quelques petites cerises pour compléter. Marlène Chiappa, effectivement, prévoit un livre, non seulement, mais oui. également une série. Également une ah, série, et elle va, elle va créer, enfin, euh, elle est au centre de la création d'une série politique qui devrait être diffusée sur Canal Sauf Erreur, et elle va créer une nouvelle fondation pour l'égalité femmes-hommes. Elle était d'ailleurs à l'ONU. Il y a 15 jours pour rencontrer notamment des cadres de la fondation Bill et Melinda Gates. Alors vous avez avis aux complotistes qui à chaque fois disent décidément c'est au mauvais endroit au mauvais moment. C'était dans le JDD il y a deux semaines sauf erreur. Et, et concernant Bruno Le Maire effectivement l'interview du JDD est, 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 est lunaire hein, de, la, de la part d'un type dont tout le monde connaît le bilan. Mais on entre définitivement dans l'ère de la de la physique quantique, c'est-à-dire enfin de la politique quantique, c'est-à-dire qu'un bilan est à la fois très bien et très mauvais. Ça, ça dépend pour qui. Les, les analystes, les économistes disent effectivement c'est la tuile, mais le gouvernement gouvernement te dit c'est extraordinaire. Donc, tout continue de manière assez, assez logique, assez normale. Après, sur Bruno Le Maire, ce qui est intéressant, c'est que ce livre vient couvrir quand même une autre actualité qui a été évoquée. Dans certains médias, on ne peut, peut pas leur reprocher, mmh. mais qui est quand même le fait que euh, le gouvernement avait prévu un fameux plan pour tailler dans les dépenses autour de 10 milliards, avec des projections de croissance qui ouais. étaient celles qui ont été évoquées au moment des débats autour de la réforme des retraites. Or, et le, 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 le Trésor public et d'autres, même des analystes extérieurs, ont prouvé que ces prévisions de croissance étaient complètement bidonnées, que la croissance française allait être inférieure à ce que le gouvernement avait annoncé et qu'il allait falloir rajouter des coupes supplémentaires. Donc, de fait, on est en train... Enfin, Il aurait fallu se rendre compte, et c'est pour ça que les médias ont passé un petit peu vite l'info, que les arguments du gouvernement qui visaient à dire la réforme des retraites est nécessaire par rapport à tout ça, en fait, c'était bidonné parce que réforme ou pas réforme, on était loin des clous attendus par la fameuse Troïka qui revient en forme, parce qu'on n'avait plus de nouvelles depuis la crise en, en Grèce, hein, les ouais. fameux 3% et tout ça, on n'avait plus de nouvelles. Et là, ça revient plein badin. Donc, c'est intéressant de voir qu'effectivement... On le dit souvent, euh, politique, spectacle, des contrefeux, des machins, chacun trouvera l'expression euh, idoine. Mais en attendant, on a quand même une manipulation assez sidérante. Euh, et là, on parle, de, on parle quand même de la, la tirelire des Français. Donc, euh, mais bon, mm -hmm. ça passe, comme, euh, comme dirait l'autre. Comme Edouard Philippe nous le disait, en mai 2021, mais... à l'ESSEC, effectivement. <laughs> et je regardais quand même ce matin, Bruno Le Maire, il est là depuis euh, mai 2017. Hein. Et le début, Non, ah, mais, mais vraiment. Non, mais Bruno, à un moment donné, c'était là depuis mai dernier, enfin mai 2017. T'es pas ouais. là, dernier remaniement, quoi. Donc le mec a, a, a cramé la caisse, littéralement cramé la caisse. Il continue à la cramer. Non mais il crame la caisse, Bruno. On va te le dire. On va se parler entre euh, grands garçons. tu as cramé la caisse. Et il, il, il vient avec un bouquin t'expliquer effectivement. Vous l'avez dit tous les deux qu'on vit dans un monde parallèle. Il y a une France euh, qui marche, une France de la start-up, qui investit, euh, qui relocalise et tout. Et puis, euh, le trois-quarts des Français, voire euh, 80 se rendent compte que c'est la grosse merde. D'ailleurs, on en parlera. Nicolas Meilland lance une, une énorme bombe cette semaine avec Toiti et d'autres sur le nombre de fermetures d'entreprises. C'est 400 ouais. fermetures d'entreprises par mois. Putain, quatre mois, 400 par mois, ça fait 4 000 en l'année. Et les prédictions pour 2025 sont encore pires. Donc, ça ferme à tour de bras. Et Il faut expliquer mettra. que ce ouais. chiffre, en fait, c'est l'équivalent des faillites de 2008 hein, après la crise ouais, des subprimes. Ouais, ouais. Voilà, pour, pour se remettre parce qu'en qu réalité il y avait il y avait une baisse des faillites et puis la euh, le moment Covid où ils ont décidé d'arrêter l'économie hein, de tout flinguer à euh, sauver des entreprises de manière euh, totalement artificielle et aujourd'hui elles mettent la clé sous la porte et celles qui pouvaient auraient pu survivre à la crise Covid ne ne survivent pas et là on, on se retrouve avec des faillites d'entreprises euh, comme si on avait vécu une crise financière en réalité. Oui, c'est euh, ouais. Rémi là-dessus, effectivement. C'est un peu Bruno crack tu vois. C'est le c'est le crack, c'est le crack de 2008 et c'est ouais. l'économie russe à genoux, quoi. Le mec est quand même formidable, quoi. Oui, oh, sur, non, sur, mais... sur le cadre. Ah, il le n'y euh, a pas le sur... de lui. Il n'y a pas au dessus de lui. Je pense que la finance mondiale, c'est lui le champion. Je pense, il n'y a pas autrement. Oui, c'est à la fois lui le champion et lui le, le Pinocchio dans tous les sens du terme. Oui. C'est-à-dire que bon, ce n'est pas lui qui mène la danse, en vérité, c'est un exécutant oui. euh, qui est l'exécutant d'un Emmanuel Macron qui est lui-même l'exécutant d'un système qui les dépasse. Oui, voilà, c est, c est... Après, voilà. Ouais. Euh, concernant le Covid et les fermetures, les fermetures d'entreprises, effectivement, c'est une situation terrible, mais il faut coupler ça avec les dividendes records touchés par le CAC 40, c'est que euh, D'ailleurs, c'est le cas en France et ailleurs, mais euh, le Covid a été une accélération d'une situation économique qui était déjà là avant. C'est-à-dire mmh. ces petites entreprises françaises qui ouais, font ouais. le tissu entrepreneurial français, mais qui est destiné à mourir par une, ad une administration devenue folle, où aujourd'hui, pour remplir ses papiers, que ce soit dans une exploitation agricole ou une PME, mais il faut, il faut Bac plus ouais. 12, c'est sidérant, ouais, là, il faut être, là, champollion, là, faut, être champollion, faut être Champollion pour payer ses impôts, mmh. euh, des une pression fiscale le plus de plus en plus importante, tout le monde connaît ces facteurs-là, et dans le même temps, les grands groupes dans tous les secteurs, ont de plus en plus une mainmise euh, folle, que ce soit en termes d'espace, de, de, en termes de magasins exploités, ces fameuses zones commerciales de, euh, en périphérie des villes. Donc, c'est terrible à dire. Quand je dis ça, je ne dis pas c'est normal et évoque la galère. Je dis juste mmh. que le Covid a été l'accélérateur de tant d'années qui ont mené à une situation qui se serait quand même produite avec ou sans le Covid. C'était juste la, mmh. la chronologie, la temporalité qui était différente. Oui. Alors, j'ajoute je, 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 là-dessus, effectivement, hein, vous en avez un peu parlé, mais il faut savoir aussi que personne n'en parle, ou du moins, le gouvernement n'en parle pas, mais il y a le pacte de stabilité. Il euh, faut savoir que Bercy... À tous les jours au téléphone de la Commission européenne ouais. pour faire avancer à coup de, à la schlag euh, les réformes vous le savez, les réformes de l'austérité et le pacte de stabilité, il faut aller voir ce que c'est c'est véritablement, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, ici ou ailleurs euh, si on ne fait rien, si les Français à un moment donné ne prennent pas conscience de ce qui se passe la France de 2024 sur la Grèce de 2015 et le pacte de stabilité imposé par Bruxelles où on te dit oui mais c'est juste une, une volonté, du moins, on, on vous propose deux, non, c'est pas, une, on ne propose rien du tout, la commission impose et ce sont des injonctions, donc ça, c'est important. Allez, je voudrais qu'on qu avance, les amis, euh, Najat euh, 3 gigas alors Najat, on va vous dire, Najat euh, Valo, belkacem euh, cette chère amie, euh, veut finalement limiter, euh, limiter le contenu, de, du moins la bande passante d'Internet pour les Français à hauteur de 3 gigas oui. je crois que c'est par mois, me semble-t-il, et euh, et, et, et c'est formidable quand même. Donc, on a quand même. Euh, on a, elle a fait une tribune, je crois, dans le Monde. C'est, Je vais vous montrer avec bien de gens. Hop, voilà. C'était dans le Parisien notamment, mais c'est une tribune du Monde. Euh, voilà, grosso modo. Nous, si nous savons que nous n'avons que 3 gigas sur une semaine, nous n'allons sans doute pas les passer à des commentaires haineux ou à fabriquer des fakes. Elle n'est pas bien, Najat, là. Elle était partie, elle n'était plus là. Et puis, la revoilà. Elle se paye une petite tribune dans le Monde tranquillement pour nous expliquer qu'il va falloir. Museler les Français. Euh, franchement, euh, franchement, c'est dingue. Pour, pour déclarer ces impôts, ça va être compliqué. Il va falloir trois ans et demi pour les déclarer. Hein, euh, <laughs> S'il n'y en a que trop non. Mais franchement, je le dis au, au sein des finances publiques, ça va être la galère. C'est déjà le bordel. Là. ça va être encore pire que tout. Hein. C est, c est, je n'ai pas entendu, Alexis. Bah non, mais euh, qui, qui est Nadja de valo Ancienne ministre de l'Éducation, je crois qu'elle est à la tête d'une ONG. Euh, elle, elle, elle euh, comme tu dis, elle sort du bois avec euh, une ineptie euh, qui a fait réagir tout, tout le secteur de la tech, mais tout le monde en réalité, ça ne veut rien dire, elle n'est pas au pouvoir, elle est là pour euh, faire parler d'elle, ça fonctionne hein, puisque derrière voilà, on parle d'elle, euh, ouais. on parle mais bon cette mesure débile, euh, ça montre quoi ça montre que dans, dans une, un secteur euh, qui est celui de la, de la politique hein, où on n'est jamais vraiment à la retraite, euh, on pense toujours et d'abord à emmerder les Français, euh, pas pas à des mesures hein, de, de libération, d'émancipation, quoi que ce soit. Non, non, on pense vraiment à les contraindre. Euh, Jeux olympiques, paf, on va penser confinement. Euh, passe oui. passe olympique, tu vois, pas passe vaccinal. Euh, enfin, systématiquement, c'est des ah. mesures d'emmerdement. Là, il y a bientôt euh, euh, le, le contrôle technique pour les deux roues. Ouais. Euh, évidemment, les gens qui roulent en deux roues font gaffe à leur bécane parce que c'est vital. Ben non, on a trouvé un truc pour les emmerder et pour euh, qui crachent un peu de thunes aussi, c'est un impôt caché en réalité. Euh, tout est comme ça. Et il n'y a rien jamais, en fait, qui est là pour dire, ah ben on a fait un truc, c'est vachement bien, regardez, maintenant les urgences, vous attendez plus que 30 minutes. Oh, c'est mmh. génial. Quand vous avez fait, bah ben, on a investi, euh, on a recruté. Euh. Non, non, c'est que des emmerderies et c'est que des trucs où on, tu vois bien on va vers une, une paupérisation euh, volontaire accompagnée de la population oui, française. Oui, Cette oui. idée du, 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 euh, de rationnement euh, de l'Internet, c'est pourquoi Parce que on va manquer d'électricité. J'en parlais oui. ce matin, les, les, les petites centrales promises par Macron pour 2030 ne verront pas le jour. Avant, je ne sais pas quand, si jamais elle voit le jour. Mais on est, grâce à ces grands idiots de technocrates, euh, rentrés dans l'ère du tout électrique, sauf qu'on ne produit pas assez d'électricité. Donc, ouais. il faudra bien trouver un moyen. Et on a Linky, notre ami à tous, Linky, qui va être là pour justement te dire, ah, ça, ça t as droit, ça, t'a pas droit. Hein Alors, jusqu'à présent, Linky consomme, euh, te dit, tu peux garder ton Wi-Fi, mais demain, Linky te dira, ah non, c'est fini le Wi-Fi, tu as fait des 3 gigas, ouais. va te faire foutre. Donc, ce monde de merde, excusez-moi du terme, ouais. je n'en veux pas. Je n'en veux mmh. pas. Il faut le mettre à la poubelle maintenant avec les gens qui le défendent. Euh, mmh. C'est un monde de merde qui n'a aucun avenir si ce n'est un avenir de merde. Et moi, j'ai deux enfants. Je n'ai pas envie qu'ils vivent dans ce monde de merde-là voilà. euh, ouais. avec en plus comme horizon une guerre mondiale et, et que sais-je encore. Mmh. Donc, merde, mmh. en fait, j'en peux plus de en fait. C'est pour ça que je suis fatigué et que je te disais tout à l'heure que comment ça va. Ça ne va pas. J'en peux plus de en fait. Ça y est, j'ai atteint ma jauge, mmh. en fait. <laughs> oh ouais, pourtant, tu pourtant, as, as, as un niveau quand même qui est assez large. Ah ouais, mais là, là je, te jure, je te jure, ils sont ouais. tellement obscènes, ils sont tellement. Ouais. Mais j'en peux plus, en fait. Voilà. C'est. Je sais pas comment te dire. Euh, ouais. et, et le fait de voir qu'ils euh, s'en sortent, parce que ce verrouillage mmh. médiatique fait qu'on les fait passer pour des cadors euh, ouais. qu'ils ont euh, un vernis, en fait, de sérieux, alors que c'est pas sérieux, tout ça, euh, ouais. ça, 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 ça me rend malade. Ça me rend malade. Mmh. Mon cher Rémi, est-ce qu'on prend une petite pastille Valda hein, pour, euh, pour le supporter comme je pourrais le faire moi hein, euh, Oui, euh, oui c'est clair. Non, un <laughs> non mais je, je, je crois que bon, je, je vais peut-être un peu plomber l'ambiance. C'est pas la compagnie créole que je vais vous raconter, mais je crois oh. qu'il faut regarder l'histoire dans les yeux et, et, et bien qu'on ait l'impression que ce soit des guignols, et à raison, parce que je suis complètement d'accord avec l'ami Alexis, Nadjad Vallaud-Balkassem ne représente déjà qu'elle-même et ça doit être beaucoup à supporter. Mais le problème, c'est que euh, on s'interdit de regarder l'histoire pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle a été, mmh. parce que des points Godwin, parce que on a des accusations de dire mais vous comparez, ce qui est, ce qui n'est pas comparable. Soit l'histoire ne se répète jamais deux fois. Marx disait la première fois c'est une tragédie, la deuxième fois c'est une farce. Et aujourd'hui mmh. on est dans la farce. Euh, le parti, le NSDAP en Allemagne quand il apparaît, c'est un parti mmh. national socialiste, encore aujourd'hui Guillaume Meurice sur Twitter, alors est-ce une blague ou pas j'en sais rien, fait un tweet où il partage l'affiche du film, la zone d'intérêt, excellent film d'ailleurs et il dit voilà ce que ça donne l'extrême droite je sais plus comment il formule ça dire, mais on, a, on a tordu les esprits à un point où le réel est devenu une variable comme les autres mais mmh. tous, tous ces projets là du pass sanitaire à la proposition de Najat Valo Belkacem, en passant par Linky en passant par l'encadrement des réseaux sociaux, en passant par euh, Emmanuel Macron qui joue à la guerre, alors que Serge Julie nous explique aujourd'hui dans Libération 19 mars que Poutine, son horizon, c'est la guerre. Et c'est parce que son horizon, c'est la guerre que c'est un dictateur. Donc on, le, le réel est une variable comme les autres. On applique à Poutine ce qu'on ce qu pourrait, en toute honnêteté intellectuelle, appliquer à Macron sur certains points. Bref, mmh. tout ça pour dire qu'on a aujourd'hui des nains qui jouent aux géants. Mais le résultat sera le même, le résultat peut être le même. Il faut arrêter de regarder l'histoire en se disant ⁇ ça n'existe que dans Netflix ⁇ Et quand des gens qui ont le pouvoir commencent, comme disait Orwell, à, être, à tenir aussi le fouet à leur tour, de se dire non, mais pff, ça, ça va passer. Prochaines élections, ça va passer. Ce qui se passe, c'est sérieux. Ce qui se passe, c'est grave. Mmh. Je vais pas mettre de l'huile sur le feu. Peut-être que ça s'arrêtera dans une grande rigolade et que d'autres arriveront au pouvoir ouais. avec d'autres excès, avec d'autres problèmes. Mais mmh. en attendant, il faut voir ce qu'on voit. la phrase la plus dure. Le plus dur est de mmh. voir ce qu'on voit. Et c'est ça. dire Des gens au, pour au pouvoir qui arrivent en vous expliquant qu'on va restreindre ce que vous mangez, ce que vous dépensez, ce que vous mmh. pensez, euh, mmh. comment vous conduisez. Enfin. Je veux bien qu'on se dise c'est Poutine, c'est Poutine, c'est pas les nazis, c'est pas tout ça. Mais mmh. regardons l'histoire pour ce qu'elle est. Regardons les gens qui, comme nous, se sont dit Ouais, mais bon, vous savez, il bon, faut pas les prendre au sérieux. Regardez, ce sont des gens tout à fait moyens qui ne mmh. peuvent pas être l'histoire, qui peuvent pas incarner l'histoire. Ouais. C'est comme ça qu'à un moment donné, on regarde dans le rétroviseur et on se dit Ah putain, on l'a pas vu venir. On va venir. Ouais. Je, je, je suis assez d'accord. D'ailleurs, je, euh, je l'ai reçu sur la chaîne Putsch, <coughs> Samuel furfari qui est ancien directeur. Franchement, du département énergie de la Commission européenne, il te le oui. dit, Samuel Ferfari. Le mec était au cœur du réacteur nucléaire. On peut le tourner comme on veut. Le mec dit il y a une volonté aujourd'hui de contrôle des populations, notamment, oui. notamment sur la décarbonation. Le mec n'est pas sorti de nulle part. Il a bossé 30 ans, 36 ans, 30, entendez bien 36 ans. Samuel Furfari a écrit un bouquin d'ailleurs super intéressant sur les artilleurs chez Aux Éditions du temps Et même lui, il le dit. Il y a une volonté dans la décarbonation et l'écologisme de contrôler les masses et les populations. Alors, je sais que tu l'as dit, Rémi. Je sais que toi aussi, Alexis, on l'a dit sur tous les temps. On a été traité de tous les noms. Et là-dessus, même quand on invite des gens comme ça, il faut quand même qu'à un moment donné, ça s'arrête, quoi. Il faut prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Et, et, et Najat Vallaud-Belkacem, je suis quand même étonné que venant d'une gauche réclamée, autoproclamée, ce soit les premiers, notamment pendant le Covid aussi, à vouloir à un moment donné réduire, parce qu'elle le dit. Parce il y a fake news, réduire les fake news sur les réseaux sociaux, donc réduire la bande passante, c'est réduire les fake news. Mais ces gens sont dingues, vous êtes dingues, vous êtes absolument dingues. Et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, on ne gouverne jamais impunément contre son peuple, ou du moins on ne déclare jamais ça euh, sans rien. Voilà, une dernière, une dernière petite phrase à tuer, monsieur, et après on, 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 on voit si chacun fait son pactage pour partir en pour partir Ukraine, si vous avez commandé sur Amazon Prime le casque, le truc, parce que Macron, il va nous appeler bientôt. Hein. Euh, écoute, euh, non, mais c'est c'est. Euh... Euh, oui, on le dit, on le voit. Le, le, le problème, c'est les moyens d'action. En réalité, c'est-à-dire que euh, si, si tu, il faudrait, je pense, euh, se replonger dans l'histoire et voir comment tout ça ouais. a été rendu possible euh, avant que ce soit de l'intimidation. Mais il y a déjà la, la, la phase intimidation. On est déjà dans le contrôle social d'une certaine façon. Il y a des choses qu'on n'a pas droit de dire. Euh, il y a des choses ouais. qui sont interdites, qui sont tabous. Euh, et ça, ça déjà, rien que ça, dans une soi-disant démocratie, ça devrait interpeller. Euh, la liberté de parole n'est pas totale. Et là, je ne parle pas de ce qui est puni par la loi. Hein. Je ne parle pas d'antisémitisme. Je ne parle pas de racisme. Non, je parle simplement de dire des choses euh, en géopolitique. Notamment, il faut voir comment est traîné dans la boue Dominique de Villepin parce qu'il n'est pas dans la doxa, euh, ouais. ancien premier ministre qui euh, a le courage de dire les choses pour Gaza et pour le reste. Euh, et, et ça, c'est la preuve euh, d'un esprit totalitaire, en fait. Euh, tout comme l'idée la, la, qu'il faudrait penser euh, que c'est comme ça et pas autrement qu'il n'y a pas de remise en cause hein. euh, la, le, le moment euh, faussement scientifique hein, du, du vaccin, hein, désolé on va en reparler mais euh, mmh. ce moment là est un moment d'hystérie, d'hystérie, il mmh. n'y a rien de scientifique, euh, mmh. c'est mmh. vraiment de l'hystérie et, 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 et ça se reproduit là euh, encore une fois mais euh, avec des circonstances encore plus tragiques puisque euh, Gaza on a les mêmes camps hystérisés et puis euh, sur l'Ukraine pareil une nouvelle hystérisation donc c'est mmh. pas les réseaux sociaux qui font ça, c'est les mentalités c'est des gens qui sont déjà dans une vision du monde binaire euh, et dans un, un, une vision euh, totalitaire où il y a eux et nous et, et, euh, et, euh, et enfin eux et euh, enfin oui c'est ça et, et que ceux qui sont pas d'accord sont des dangers, des boucs émissaires, des gens à abattre en, en quelque sorte euh, et, et, et c'est toute la logique, d'ailleurs, de la campagne des Européennes, on va en parler avec ouais. Valérie, mais c'est exactement ça. C'est, il y, y a aucun programme, il n'y a rien. On va même pas parler de ce qu'est l'Union européenne. On va même pas parler de bilan. On va simplement dire, il y a des méchants, il y a des gentils, Peut-être peut-être quel oui. côté. Mais ouais. c'est complètement con. Moi, j'en peux plus en fait de cette connerie ambiante. en fait. Non, ça, c c euh... Je, je, je l'entends. Et je voudrais qu'on part d'ailleurs. Je suis pensé, J'ai oublié de le mettre dans le conducteur. Le conducteur, c'est la petite fiche qu'on se transmet pour pour évoquer les sujets. Je voulais qu'on parle de cette loi sur les injures non publiques parce que maintenant on va rentrer chez nous les copains. Bah voilà, hein, ça, ça, ça fait ont, partie ont, des, du duo. En apéro ouais. avec, des avec des gens que vous connaissez et puis il y en a deux trois que vous connaissez pas. Si vous commencez à vous exprimer sur l'Ukraine, sur l'Union européenne, sur la crise sanitaire, et que, euh, eh ben, et eh ben, à un moment donné, bon, c'est très large parce que ça, aujourd'hui, ça, euh, aujourd ça oui. notamment Dame. sur euh, le racisme, sur ça, mais finalement, on se rend compte que ça pourrait très rapidement élargir et que c'est extrêmement dangereux ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on rentre, on va rentrer chez vous littéralement, et que n'importe qui, dans un cadre privé, pourra vous dénoncer pour ce que vous avez dit en privé. Ça, c'est l'Union soviétique. Alors, ils nous cassent les sabots avec Poutine, ils nous cassent les sabots avec la Russie, ils nous cassent les sabots avec la dictature, mais ces gens sont en train... Il y a des députés sur Putsch, j'imagine que je vous l'ai fait aussi, on a publié les noms des députés qui ont voté. Hein. À un moment donné, il faut qu'aussi les députés, il les posent sur la table et que tout le monde sache qui a voté pour cette, cette, cette loi ignoble qui, pour l'instant, a l'état de proposition de loi parce qu'elle sera votée au Sénat, les amis. Euh, Rémi, là-dessus, est-ce que tu veux rebondir sur ce que dit Alexis et, et, ouais. et parler de ça C'est dingue. Oui, Surtout ça, plusieurs choses. Il faudrait mettre ouais. les, les, les noms des gens qui ont voté pour, ceux qui se ouais, sont oui. abstenus, abstenus et ceux qui ne sont pas venus. Faut, en fait, il ouais, faut oui, mettre les euh, noms euh, de tout le monde. Parce qu'il par, y, y, ouais. y a eu zéro contre. C'est assez simple. Sur 148 votes, il y a eu zéro contre. Oui, c'est 148. Les 148 personnes. Député les amis. Ça en non, dit déjà très long. 148 présents, 0 vote contre. Euh, en, ensuite, avec une formulation qui est orwellienne, mais vraiment, oui. c'est de l'huile essentielle d'Orwell. Euh, ouais. On parle de propos tenus dans des lieux non, non publics. Oui, oui. oui, oui. <laughs> ouais, ouais, ouais. Non, mais vous lirez le texte, hein. c'est non public. Donc, oui, déjà, on oui, ne sait pas. On ne sait pas. Mais on retrouve ce genre de manipulation syntaxique. Même chose dans le texte de l'euthanasie, dans les réponses de Macron dans l'IB et la Croix, il y a quelques jours. Enfin, le temps de la manipulation. On, les on, mots n'ont voilà. plus aucun sens. Hein. La, non, mais les. Oui. Voilà, est on, le on est absolument là-dedans. Et, et je crois que par rapport à tout ça, et pour rebondir aussi sur ce que disait l'ami Alexis, on est à un moment charnière aussi du côté du peuple. Est-ce qu'on a encore la capacité à voir ce qu'on voit Ou est-ce que, comme le serpent dans le livre de la jungle la majorité des gens sont hypnotisés ouais. et n'arrivent plus à voir les évidences que nous, là, dans notre petite famille, avec le monde moderne, Poutre, Juste Milieu et consorts et, et, hein, et d'autres, hein, des évidences que nous répétons tous les jours, mais qui aujourd'hui ne sont même plus des évidences, on va dire, ouais. par, par biais, par rapport aux actualités que l'on va choisir, par rapport aux rapports qu'on a à la politique. Aujourd'hui, ce sont des évidences basiques. C'est-à-dire que. Euh, je, je me suis amusé à faire ça ce matin. LCI en novembre 2022 disait les complotistes euh, sous-entendent que Trump, enfin euh, que les élections auraient été truquées aux États-Unis à, à cause du vote électronique, c'est du complotisme. Le 15 mars 2024, LCI te dit le vote électronique en Russie a sûrement favorisé le vote Poutine. Ouais, ouais, ouais. Là, si vous voulez, on ne parle même plus de, 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 de choix politiques, d'idéologie, de RN, de Poutine. Ce de... c'est même plus le sujet. En fait, c'est la capacité que les citoyens vont avoir à voir ce qu'on leur met devant les yeux. Et, et donc là, on est à un moment charnière. Soit on fait partie de ceux qui acceptent de se tenir la main alors qu'il y en a un qui vote à la fille, alors qu'il y en a un qui vote à Rennes, il y en a un qui est vacciné, il y en a un qui n'est pas vacciné. On a cette capacité-là pour se mettre d'accord et dire, ben regarde. On a, un petit, euh, on a un petit souci ah. avec euh, Rémi. Il va, il va revenir immédiatement, mon ah, cher Rémi. C'est bon, Rémi, est-ce que ah, la Macronie t'a ah, coupé pardon. le sifflet ou pas Tu <laughs> es là. Il est là. Ouais, es il tient es oh, en monde de vision, mais on te voit. T es en monde de vision, mais on te voit. T'es en deux couleurs, t'es comme Derek, t'es en la seule, couleur, la seule série télévisée en deux couleurs, ouais, t'es là. Ah bon, merde, je, dit, ah je, dit, je, je, dit. je finis, je finis rapidement avant que ça rebug. Juste pour dire qu'il faut qu'on ait cette capacité à se tenir la main, qu'on soit vacciné, pas vacciné, RN, LFI ou je ne sais pas quoi, qu'on regarde tous les mêmes choses et qu'on constate tous qu'un système s'installe. Et je ne suis pas certain que la majorité veuille ce système. Ou alors on accepte d'être hypnotisé pour des questions de confort, hein, d'autruche de, de, mmh. au tube digestif, comme tu le dis euh, si bien, cher Nicolas. Et, et, et on verra. Mais on a encore, je pense, j'essaie d'être optimiste, la possibilité de faire un choix qui est celui de voir ce qu'on veut. Alors, chers amis, on est pratiquement sur l'ensemble de nos réseaux, plus de 6500 ce soir. Merci beaucoup à hein, YouTube et tous les autres réseaux, Twitter, X, euh, Twitch, Facebook, LinkedIn. Merci beaucoup, plus de 6500 ce soir. Beaucoup, 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 beaucoup de commentaires. N'hésitez pas, à, bien sûr, je le dis, à aller suivre Alexis euh, sur le monde moderne. Euh, bien sûr, Rémi sur juste Mieux, Abonnez-vous aux chaînes, faites des dons, abonnez-vous et achetez, euh, et du moins, soutenez-nous le maximum. C'est extrêmement important, nos trois chaînes et les autres. Mais vraiment, on a besoin de vous parce que vous le voyez, ce soir, on aborde des sujets importants, même si on déconne et vous vous y couperez pas. Vous aurez l'instant BFM en fin d'émission. Donc, restez bien connectés, partagez, likez, bien entendu. On continue là-dessus. Mais je voudrais qu'on parle de ça avant de, de, de parler de, 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 des, des déclarations de Macron et de Valérie Ayer. Est-ce euh, qu'elle est, qu est -elle mieux, que, mieux que Nathalie Cui-Cui, Nathalie Loiseau euh, Mais là, on est chez les dingos parce que. Tout de même, ce qui est en train de se passer, moi je, dans mon petit village, j'en ai, ai parlé à des, des gens que je connais qui ne sont pas du tout impolitiques et qui ne s'intéressent pas forcément, mais eux ont fait, on fait un bond de 50 cm quand je leur ai expliqué, du moins quand je leur ai présenté cette loi. Ils m'ont dit c'est ce n'est pas possible qu'on en arrive là. Littéralement, si. on est en train ces gens-là sont en train de rentrer dans, la, dans notre vie privée. Et là. Il n'est pas, pas excessif de parler de totalitarisme, à mon sens, puisque c'est véritablement le contrôle de la population dans son intimité par le contrôle d'autres citoyens qui seraient opposés à des idées politiques. Mais c'est juste absolument dingue cette histoire, Alexis. Mais en enfin, fait tout, tout est là sous nos yeux, je veux dire le euh, le SNU et les jeunesses macroniennes déjà avec un, un système de crédit social, c'est-à-dire si tu as fait le SNU, tu as des points pour ton permis. Euh, je veux dire c'est c'est même pas caché, ça y est, c'est officiel, on y est. Euh, derrière tu as euh, Macron depuis qu'il est là, son, son euh, vraiment sa, sa force vitale, c'est de de fragmenter euh, l'intime d'aller toujours au plus près donc euh, les familles avec l'histoire de, de du Covid euh, pareil euh, sur euh, tous les sujets ensuite euh, qui vont être clivants et où on va pouvoir faire mal et appuyer euh, ensuite c'est des, des lois euh, qui sont des lois qui touchent à la biologie euh, l'IVG dans la Constitution euh, le, le, le droit à mourir euh, dans la dignité je sais pas comment il appelle ça etc mais on va dire la loi pour le suicide assisté et l'euthanasie lui il ne dit pas ça mais c'est le but euh, sont des lois qui changent la société parce qu'elles changent en fait la perception de la vie, de la mort, euh, mm. de la sphère intime. Donc ce sont des lois qui sont, oui, totalitaires parce qu'elles touchent la sphère privée, mm. d'une certaine façon. Alors on peut dire que c'est des lois de progrès, euh, pour certains, euh, et, et tant mieux, mais la, la réalité, la globalité de, de la politique euh, d'Emmanuel Macron, c'est de changer profondément la société. Parle la politique du choc. Hein. Euh, Gabriel Attal ne parle que de choc. Un hein. grand choc de, de, euh, des savoirs, choc de machin, choc dans ta gueule, choc de, des gants de boxe, choc, de, choc dans ton cul, choc machin. Bref, c'est choc à pic. Mais euh, à la fin, c'est quoi C'est une société en miettes. Voilà, comme des chocs à pic, avec un peu de lait pour que ça fonde. Mais c'est juste dingue. On est en train de vivre ce changement-là. Et moi, euh, qui suis quelqu'un de gauche euh, je me sens bien seul quand je dis que le combat actuel c'est le combat 1 pour les libertés et 2 pour ce qui reste de l'humain et pour ce qui reste de, de l'humain à sauver parce qu'on euh, parle peu du transhumanisme qui semble un peu en retrait, euh, on parle beaucoup d'IA on parle beaucoup de, de robotique en ce moment etc ouais. mais, mais derrière il y a ce changement biologique profond d'interaction homme-machine qui va arriver très rapidement une fois qu'IA aura atteint sa masse critique et ça c'est encore quelque chose d'impensé globalement et, et et on reste de, dans des débats secondaires euh, avec l'idée que oui, bon bah écoute, euh, c'est pratique. Hein, c'est pratique, regarde une carte d'identité euh, dématérialisée, c'est super pratique. Oui, d'autant plus que c'est super facile de hacker les bases de données en France, visiblement. Donc c'est vrai, c'est super pratique. Oui. Ouais. Les, ouais, oui, bah, bah apparemment. Non mais, tu vois, et et ouais. euh, et, et, et les Parisiens qui vont accepter d'être parqués comme euh, comme comme des bêtes pour les JO, avec euh, ouais. euh, non mais un million de personnes qui vont être scannées par les renseignements généraux pour être sûr qu'ils ont droit d'avoir le putain de QR ouais. code mais pour aller boire démarre. leur putain de café assis. Mais putain, mais on est où putain Excusez-moi, j'ai envie de hurler et de dire des gros mots parce que il a plus que ça qui reste à la fin, tu vois C'est ouais. vraiment. Ouais. <laughs> Non, je, je Comment les gens tiennent Comment ils font pas tout péter C'est la question qu'on se pose, en tout cas. Ce soir, ça, ça, ça mais gueule. Mais tout péter <laughs> C'est formidable. On est bien. D'ailleurs, est-ce que vous avez votre QR code pour regarder l'émission Parce qu'on vous le demandera en fin de passera. On passera, oh, non, 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 on passera Putain, dans la ouais. salle pour scanner non, mais le QR code. Hein. Non, mais franchement, je te jure. Je, je... Ouais. Comment ça non, je tient Comment ça ouais. tient ouais. Ouais. Et, et en plus, et, et, et Rémi, bien sûr, je te fais réagir là-dessus immédiatement, euh, tu as raison de parler, mais sur, notamment sur l'IVG, sur le droit à mourir, sur ces, ce qu'on appelle ces lois sociétales ou d'inscription de la Constitution. Je pense aussi que Macron, il est en train d'en fumer tout le monde également. C'est-à-dire que j'ai quand même l'impression, comme à la corrida, de, 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 il agite de la cape, et puis finalement, il continue à, à, à faire ce qu'il a bien envie en, en, en essayant de monopoli, non, monopoliser pardon, les médias. Là-dessus aussi, parce qu'il les a quand même enchaînés en trois semaines, il les a enchaînés. C'est absolument dingue. Dès qu'il y a une commémoration Ouh. qui est finie, ou une, une, une manifestation, ou un événement qui est terminé, le lendemain, il rebalance derrière. J'ai quand même l'impression que Macron, concrètement, là, c'est vraiment la technique du fumigène, mais alors euh, dans, dans ses plus grandes largeurs et de façon très authentique, euh, mon cher ami. Ben, je vais remettre une couche de rillettes sur la tartoche, mais c'est ah, vrai que est je, est je suis bien. Compl est complètement compl d'accord ah. avec vous. Mais je, je crois qu'il y a aussi un autre paramètre qui me semble nouveau. Alors je ne vais pas jouer aux spécialistes là, je renvoie vers les spécialistes de la question, notamment la question du fascisme à travers les, les âges, on va dire. Euh, je crois qu'Emmanuel Macron profite de, et, et pas seulement lui dans d'autres pays aussi, mais d'une forme de milice idéologique, et ce qui me semble assez original, parce qu'on avait jusqu'à présent des milices qui faisaient des ratonnades, qui faisaient des descentes, qui allaient casser la gueule de ceux qui pensaient pas comme il faut. Mm -hmm. Or aujourd'hui, dans ce logique basique du diviser pour mieux régner, on l'a vu dans des temporalités différentes, et on le voit de manière, euh, on le voit en arrière-plan. Vous prenez par exemple la, mili la milice idéologique euh, woke, qui fait que. Mm -hmm. Ne serait-ce que sur Twitter, hein, ce qui est le, le revers de la médaille des réseaux sociaux, n'importe qui exprime une idée tout de suite catégorisé, mais pas par l'État, pas par la police, alors peut-être les services quand il s'agit de propos terroristes ou choses comme ça. Mais vous avez tout de suite une catégorisation qui se fait par des formes de milices idéologiques. Et tout ça sert le pouvoir, mais en, en toute tranquillité. Et, et, et le. Et en plus, ce qui encourage, ce qui à mon avis a encouragé cette création de milices et, et le, le, le renforcement du divisé pour mieux régner, et je rejoins ce que disait l'ami Alexis, ce grand virage du côté de la gauche dans les années 80 avec ce droit à la différence qui a pris le pas et où aujourd'hui on voit, et, et, et c'est à pleurer, où on voit la, 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 la gauche c'est typiquement les écolos, par exemple, on ne sait pas pourquoi, qui prend, euh, le, qui a pris le parti de ces communautés LGBT ou autres, qui s'en fait les grands défenseurs, encore hier, Sandrine Rousseau sur Sud Radio, qui trouve de bons tons hein, pour euh, défendre Brigitte Macron, de, de parler de, 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 de du droit aux transsexuels en France, qu'on les respecte, qu'on les apprécie, qu'on n'a toujours pas compris le lien, mais mmh. tout ça pour dire que il le, 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 y a une gauche historique et il y a la gauche Twitter, pour qui euh, la dernière fois qu'ils ont vu un bleu de travail, c'était dans la casette de Papel, et manque de bol, il était rouge. Et de l'autre côté, on a l'extrême droite, elle est encore, qui est présentée comme une autre milice idéologique, qui va taper sur ceux qui sont pro-migration, pro-machin, -pro tout ça encadre le débat, tout ça cloisonne le débat, et vous avez le RN qui a bien compris que son avenir était largement plus joli dans l'ultra-libéralisme ah oui. plutôt qu'aller casser la gueule à, toute la, à toutes les personnes un peu trop basanées. Donc on a en plus une forme de néo-politique où l'échiquier n'a plus aucun sens. Les valeurs de gauche se retrouvent à droite, les valeurs de droite se retrouvent à gauche. Ça n'a plus aucun sens. Euh, la gauche ne, 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 ne milite plus pour les libertés individuelles. Le RN s'occupe des ouvriers. Enfin, ça n'a plus aucun sens. Mais au bout du compte, ça profite mmh. à, à ces partis comme ça, euh, ces partis Frankenstein. En, en Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et, dans, et dans, au Canada et dans bien d'autres pays, et avec en plus cette nouvelle force du totalitarisme de ces milices idéologiques qui encadrent le débat et le pouvoir se cache derrière en disant ben, telle loi on va faire plaisir à telle milice, par exemple l'ivg, telle loi on va faire plaisir à une autre milice, les écolos, et ainsi de suite. Et je pense que ce qui maintient ce pouvoir paradoxalement, c'est le refus des citoyens d'être dans on va dire l'universalité du totalitarisme qui s'installe, d'être tous raccords sur le fait qu'on est tous en train de se faire emmancher. J'étais un petit <laughs> peu long, pardon. <laughs> non, non, mais c'est avec plaisir, on est là pour ça. Merci, Jamy, vous êtes les près de 7000. On va arriver aux 7000 euh, ce soir en live sur euh, YouTube et l'ensemble de nos réseaux, bien entendu, audience cumulée. Merci en tout cas, gros, hein, gros. Beaucoup de monde, chers amis, cher Rémi, cher Alexis, ce soir, beaucoup de commentaires dites-nous d'ailleurs d'où vous nous regardez euh, et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne de Rémi juste milieu beaucoup de vidéos et bien sûr au Monde Moderne euh, tous les matins la revue de presse d'Alexis il est énervé en ce moment mon dieu qu'il est énervé mais ah ouais. je partage ton énervement franchement j'en peux plus moi aussi c'est plus possible hein euh, ça suffit voilà allez on continue là-dessus euh, messieurs merci beaucoup et l'instant BFM va arriver après en tout cas n'hésitez pas à nous soutenir et continuer à partager à liker cette, euh, cette émission et retweetez là si vous êtes au Twitter parce que je sais que vous êtes de plus on peut nous regarder sur X, notamment. Allez, euh, je voudrais qu'on parle quand même, chers amis, de Valérie Ayer. Valérie Ayer, est-elle est mieux que Nathalie Cui-Cui, Nathalie l'oiseau Je voudrais pour ça vous montrer une petite vidéo, on va se régaler. Allez. Franchement, ah. elle dure 20 secondes. Vous allez voir, allez. on va se régaler. Écoutez bien, parce qu'après, il y aura un quiz avec vous, chers amis, qui nous regardez derrière <laughs> votre écran. Il y aura un quiz, vous allez voir. Écoutez bien la bêtise. La bêtise, Aussi. regardez. À la magnifique, l'île européenne, dans cette belle région des Hauts-de-France, on a l'Europe au cœur. Nous sommes ici tout proche de la frontière belge et du Parlement européen. Ce Parlement européen Alors ne savez pas. Alors j'ai appris, j'ai appris en écoutant Valoche que le Parlement européen est à Bruxelles. Donc, et puis euh... le problème, c'est qu'elle euh, est, elle est parlementaire, elle est députée européenne, mademoiselle. Donc, je l'ai déjà dit à la fois. Si ça fait cinq ans qu'elle cherche le Parlement européen à Bruxelles, elle doit connaître tous les bars, tous les endroits, <coughs> tous les restos, parce qu'elle a dû vraiment chercher, parce qu'alors le Parlement européen, les copains, il est à Strasbourg. Hein. Et c'est dans les traités, ça, pour une fois. Mais non, elle nous dit, dit tranquillement. Ils sont. C'est euh, ils, ouais. ils, les deux, en fait. C'est la magie de l'Europe. Hein. Tu as, ouais. as le Parlement qui est euh, euh, doublement localisé à Bruxelles et à Strasbourg. Mais officiellement, ouais. l'institution est localisée à Strasbourg. À Strasbourg, officiellement. Ouais. Donc on est et car, on et est chaque même... mois, tu as un train spécial avec tous les papiers, tous les députés ouais. qui font la, la navette et, et, euh, et, et les prix d'hôtel qui explosent à Strasbourg. Et, et c'est un gros cirque qui arrive en ville. Quoi. Euh, ouais, avec si on toujours, y a un... payé le depuis cinq ans, ouais, juste ouais. pour qu'elle dise des bêtises pareilles, ça nous ouais. a coûté Bonbon, euh, les histoires, les allers-retours Paris-Bruxelles-Bruxelles. Oui, mais c'est nos, hein nos valeurs. Ouais, c'est nos valeurs. Ouais, ah, Désolé Valérie, c'est nos valeurs. C'est nos valeurs, désolé, valeurs de l'Union européenne. On va se rappeler le drapeau, de... le drapeau européen, le torchon européen, on va se régaler. Non mais franchement, euh, là-dessus, mais sur autre chose, euh, Valérie Haillet, bon, c'est. Euh, elle va représenter euh, la Macronie. D'ailleurs, elle a été trop au dernier moment, hein, vous le savez, les copains. Hein. Elle, a été, elle a été récupérée au dernier moment. Vraiment, elle a été appelée au dernier moment pour représenter la liste, hein, parce que personne ne voulait y aller. Hein. D'ailleurs, ils ont mis les béloubés euh, à l'éducation nationale, donc euh, on en est là aujourd'hui. Mais de toute façon c'est pas elle qui va faire campagne hein. c'est Gabriel Attal et Emmanuel Macron d'ailleurs c'est ce que mmh. fait euh, Macron ce matin il était conseiller d'orientation dans les rues de Marseille euh, oh, il va faire ça non-stop enfin c'est c'est ça je veux dire c'est y a rien y a rien c'est y a rien en fait c'est c'est mmh. un vide absolu euh, leur feuille de route c'est quoi c'est on fait comme on a dit c'est-à-dire euh, c'est le projet hein, donc euh, Grandissante pour ceux qui ont de l'argent, bah, ça change rien de toute façon, donc vous trouvez ça bien. Les valeurs, ouais. ça continue. Et puis pour ceux qui morflent, oh, c'est toujours les grincheux, toujours les mêmes. Bon, on leur tapera sur la gueule si jamais ils deviennent dangereux, mais euh, ils sont pas dangereux pour le moment. Il n'y a pas de danger, donc on peut continuer avec ce, cette petite fable ouais. pour, pour famille bourgeoise. En fait, tu vois, moi, elle me fait penser à Oudéa Castera, c'est cette, cette dame Putain, ouais. euh, qui aime à rappeler son, son passé dans une ferme en disant Oui, moi, vous savez, je viens, oh, ça va, écoute, tu es parti à 21 ans, tu as, as été très vite aparatchik du, du centre politique très rapidement et tu fait que de la politique toute ta carrière, ça va, quoi. Euh, ou elle a dû faire du conseil, ou je ne sais pas. Mais bref, enfin, euh, on, a, on a affaire à, voilà, à des avatars euh, politiques qui... Euh, enfin, ce qui, ce, qui est, ce qui est flippant, euh, c'est que tu te demandes s'ils n'ont jamais euh, ouvert un livre de philosophie politique. S'ils ont jamais ouais. réfléchi à ce qu'était le socialisme, le communisme, euh, le libéralisme, euh, si, si jamais ils ont réfléchi à un moment à ce qu'était finalement euh, euh, la, la vie dans la cité, quoi. Euh, t as, as l'impression de euh, de bons élèves qui font ce qu'on leur demande pour être le premier de la classe et euh, pour dire voilà j'ai bien fait comme il fallait pour être là où il fallait euh, et, et ça se passe comme ça. Et, et moi le, le choc que j'ai eu quand c'était justement tu parlais de Nathalie Loiseau. Euh, quand elle a été candidate et quand elle avait été ministre aussi de l'Europe, hein, Nathalie Loiseau, oui, 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 oui. Ah, oui, de oui. découvrir euh, que cette dame avait été patronne de Lena. Euh, oui. Et là, tu oui, dis oui. le niveau intellectuel est flippant en fait. C'est euh, oui. Nathalie Loiseau, elle sort des conneries, tu as, as honte pour elle, quoi. Tu dis même, même pour essayer de faire populo, faut pas dire des trucs pareils, euh, Nathalie. Oui. Non, franchement. Oui. Euh, et là, tu te dis non, on a un vrai problème de niveau. Euh, C'est euh, c'est scandaleux en fait. Euh, mmh. Mais bon, euh, c'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, comme, comme le disait Rémi, sur l'aspect farce de tout ça. Euh, sauf que là, voilà, la, la campagne des Européennes quand même se joue sur l'Ukraine. Oui, ouais, ouais, bah, oui, oui. Voilà, ils misent voir. tout sur l'Ukraine. C'est vraiment mmh. c'est le truc. Hein. C'est pour dire ouais. voilà, soit si vous votez pas pour euh, Macron, l'Ukraine va perdre. Mmh. Bon. <laughs> je sais pas quoi ça dire. dire ça, c'est bah, de ce niveau-là, non mais les gars. Ouais, ouais, c'est bien pour ça que je suis, je reste quoi Je reste interdit, je reste quoi Parce qu'il n'y a que ça en fait. On est d'accord. Franchement, est je, je vous. Non, ça ou gueule, vous... mais bon. Un moment. Je, je vous trouve euh, défaitiste. Je vous trouve négatif. <laughs> Et là. Euh, j'aimerais quand même rappeler deux choses. Valérie Ayer nous a prouvé que Valérie Pécresse et euh, Oudéa Castera étaient des bêtes de scène à côté. Ouais, c'est vrai, vrai. Tout espoir n'est pas perdu. Voilà, donc déjà, j'aimerais rappeler ça. Et aussi, avec leur, leur mécanisme, Alexis l'a dit, tu sais, quand elle te dit, oui, euh, je suis fille d'agriculteur, donc quelque part, je suis agricultrice. Eh bien, nous a prouvé une chose. On a enfin la réponse officielle. Darmanin nous explique souvent que sa mère était femme de ménage. C'est donc pour ça que c'est une ordure. Et voilà, au moins, oh. on a la preuve. On a la preuve. Et on ne l'avait pas. Donc, Valérie Ayé, elle nous aura au moins servi à ça. Donc, vous pourriez être reconnaissant, messieurs. Ça ruisselle pour une fois. Voilà. ruisselle de ouf. Non, mais je veux dire, je veux... en plus, ils vont prendre une fessée. Ils vont prendre manifestement une oui. fessée. Et, 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 et je voudrais qu'on parle un peu des stratégies politiques. Vous savez que les, 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 les sessions parlementaires, chers amis, ont été réduites de moitié, puisque tout ce petit monde, tout ce beau monde, aujourd'hui, est littéralement obsédé par les élections européennes. Donc on vote à peu près rien, hormis la loi sur les injures non publics, mais après, il ne se passe plus rien. Littéralement, même, même, même Yaël braun Pivet, qui est président de l'Assemblée nationale, même, elle même s'est inquiétée. De l'absence, de la désaffection des députés à l'Assemblée nationale. Non, mais on en est là, les amis. On en est là. Et donc, ces gens-là sont retournés illétalement, <laughs> obsédés par les élections européennes. Et puis, il y en a ouais. quelques-uns qui nous disent que ça sera les prochaines élections nationales, notamment Jordan, notre ami Jordan, qui nous dit que ben, si jamais euh, il est premier, Manu, euh, si premier, Jordan est premier de la classe, eh ben, il demandera à Manu, est premier, de faire, de faire une dissolution. Mais Jordan quelqu'un te le dit ou pas quelqu'un quelqu'un te le dit ou mais je, moi je suis effaré par la place que prennent les élections européennes aujourd'hui je vraiment je suis effaré et et ah, encore mais... plus élevé. On peut être doublement effaré par la place qu'elles prennent dans le débat public, mais c'est parce qu'il y a une absence de, de débat démocratique euh, criant. Mais surtout, ouais. moi, ce qui, ce qui m'inquiète le plus, c'est que euh, là où ce serait l'occasion d'un vrai débat sur l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle nous a apporté ces 50 dernières années, où on en est, il n'y a ouais. pas ce débat-là. C'est-à-dire que quand Bruno ouais. Le Maire vante en fait l'Europe, il de quoi Les vaccins euh, Le quoi qu'il en coûte c'est-à-dire que, que en fait, le, le foirage même pas. Mais, mais en, fait, en fait, là, ils vendent le foirage Covid comme étant euh, une chance parce qu'on avait l'Europe. Et c'est tout ce qu'ils ont pour vendre l'Europe. Il y a rien en fait. Il y a rien. Et le vrai débat. Euh, sur le frexit, si ça peut exister, comment ça peut se faire? qu'est-ce qu'on fout là-dedans? comment on change les traités de l'intérieur si on prétend les changer de l'intérieur? Ouais. qu'est-ce qu'on va foutre en ukraine, etc., etc.? tout ça, mm. ça n'existe pas. il n'y a pas de débat. Voilà. or, le vrai débat, il est là. il est central. alors, il y a quelques partis qui essaient de, de prendre le débat quand même. Euh, mais, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas médiatisé encore une fois. et voilà. et, et le problème est là, c'est que on a euh, une scène médiatique qui empêche le débat. Mm. mais vraiment. Rémi là-dessus, bah, blague à part, effectivement, pour redevenir sérieux, euh, je, je, je pense que... Alors, je ne sais pas pour le plaisir de, 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 de créer un désaccord et tout, mais en fait, ça me rassure. Je crois que c'est l'ami Tabibian qui l'avait dit un soir chez TVL, mmh. euh, de, de se rassurer sur le fait que ces gens-là le font exprès. Parce que sinon, on se suicide. Euh, je, je crois que ce sont tes mots. Hein. C'est-à-dire que euh, j'ai ouais. du mal à croire qu'ils ne le fassent pas exprès. Ce qui est encore plus cynique. Hein. Ça, ça j'en ah, oui. crois mais mais je, je 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 me refuse à croire que Oudéa Castera a réellement le charisme d'une poire à lavement ça me semble impossible et je pense que justement c'est parce que ces gens-là ont gravi ont le plus d'échelons je 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 je, je, je et encore je m'excuse auprès du lobby des poires à lavement mais ceci dit je je, je refuse de croire que ces gens-là qui ont gravi peut-être le plus d'échelons qui ont fait les plus grandes écoles qui ont eu les plus les postes les plus prestigieux Oudéa Castera on est le symbole je 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 me dis qu'ils ont justement réussi à acquérir ce cynisme en fréquentant des gens comme eux qui aspiraient à être pires mmh. qu'eux, donc à les écraser. Et, et, et on, est, on est chez Machiavel, on est dans ce genre de truc. Et, mmh. et je pense qu'il y a ce cynisme absolu qui est de dire, on va jouer aux abrutis, on sera les bons exécutants. Mais pendant ce temps, dire, tu roules à 10, 20, 30, 40 000 balles par mois, ouais. tu passes à la télé, t'es pas emmerdé parce que qu'on bah, le voit. Par, voilà la, la plus grande des magies, le gouvernement est aussi un salon de massage, ce qu'on ne savait pas. On a plein de ministres qui sont mis en examen, qui arrivent détendus, qui repartent relaxés. Ouais. Et voilà, donc, genre, ouais. tu peux faire les pires orduries. En plus, tu es peinard, tu as même peut-être des immunités, des choses comme ça. Tu te fais un réseau de députés. Enfin, c'est bonnard, mais comme dans toutes les couches de la société, hein, pour ne pas sombrer vraiment dans la, dans la démagogie bidon, mais c'est comme ça dans toutes les couches de la société. Si, si tu as un collègue qui est policier, c'est déjà arrivé à plein de gens de se faire faire sauter des PV. Bon, ben là, on est au plus haut sommet de l'État. Pourquoi aurait-il intérêt à cracher dans la soupe C'est cynique, et je, 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 mais, mais ça me rassure presque. Voilà, C'est le pire des choix. Ça me rassure de me dire que finalement, euh, c'est peut-être ça la piste, parce que s'ils sont réellement cons. Euh, bon, alors là, là plus de, euh, je ne sais plus quoi vous dire. <laughs> ouais. Messieurs, allez, euh, il est déjà 19h20. En tout cas, merci à ceux qui sont en live. Vous êtes près de 7500 maintenant. Merci à ceux et merci à ceux qui nous regarderont, regarderont bien sûr en replay euh, plus tard. Euh, merci à tous. En tout cas, n'hésitez pas, je le dis, à, à nous soutenir. Abonnez-vous à la chaîne de Alexis Le Monde Moderne. Suivez sa revue de presse tous les matins, bien entendu. Bien sûr, suivez Rémi Le Juste Milieu, ses nombreuses émissions. Abonnez-vous au banquier. D'ailleurs, il sort quand le prochain banquet, mon cher Rémi On en a Le rendez-vous, on envoie à l'imprimeur tous les 15 et ça arrive chez nos abonnés en début de mois, comme d'habitude. Donc on est, est on est rodé, c'est que du plaisir, on se régale. Merci à vous d'ailleurs d'être là. Fervent, fervent membre, éminent membre de l'Académie du Banquet. Merci à toi de nous avoir fait confiance pour créer dans le banquet. Et oui, ouais. c'est que de la compromission ici, mais bien sûr que non, on est, on est, on est littéralement honnête et on vous dit tout. Euh, N'hésitez pas non plus, euh, on se déplace. Un peu de promo rapide avant de passer à l'instant BFM. Alors là, il va falloir se concentrer là, il va falloir sortir la bière, les chips, bien sûr, euh, à consommer avec modération. Mais sur rapidement un peu de promo euh, avant l'instant BFM TV. Alexis. Ah ben moi c'est ce que j'ai dit hein, c'est le retour de la saison de l'élastique à chibre donc euh, bientôt hein, l'édition sans limite pour devenir euh, ben, la, la la star euh, la star avec euh, cet objet euh, transactionnel et extraordinaire hein, quel élastique à chibre qui a fait les belles heures du monde moderne et qui revient hein, bientôt donc euh, à ne pas rater et puis la, la newsletter sur Substack Alexis .substack, euh, au quotidien maintenant on vous fait un petit un petit résumé de, de l'actu euh, parce que ça permet d'aller vite et puis euh, et puis de, de se tenir au courant Vu qu'on fait la revue de presse le matin, c'est bien aussi de voir ce qui s'est passé dans la journée euh, et, euh, et d'avoir tout. Voilà. C'est euh, oui, ça. Et là. puis des dates qui vont venir aussi pour les suites de la, de la rue de presse en live. Voilà. D'ailleurs, si, si des gens vous connaissez des endroits sympas partout en France, bah, nous, hein. on est euh, euh, Rémi, il est en spectacle. Alexis fait la revue de presse. Moi, je fais mes conférences. On a invité un peu partout en France. Merci à ceux qui nous invitent. Merci à ceux de Marseille, je pense à, à Vérich, Valérie, à Marianne, euh, bon, vous êtes nombreux à nous inviter. Donc si vous euh, vous connaissez les endroits sympas, vous faites partie du collectif, n'hésitez pas à nous écrire sur l'ensemble de nos réseaux, on viendra avec plaisir. Je, je parle pour vous les garçons, mais euh, c'est toujours un plaisir de rencontrer oui, bon. les gens en, en live, hein, concrètement en, en, en physique. Voilà. N'hésitez pas, vous avez tous nos contacts, nos DM sont ouverts, n'hésitez pas à nous contacter. Et bien entendu, moi, petite promo, je porte le t-shirt de la marque Jeune Marque Nimoise, bonjour, c'est un partenariat, c'est même pas un partenariat, c'est tout à fait gratuit j'aurais proposé gratuitement de poser le t-shirt ce soir. Ça s'appelle Bonjour si vous êtes sur YouTube, vous avez le lien en bas et le site pour regarder ce que font euh, ces jeunes gardois qui méritent d'être soutenus chers amis. Allez, il est il est 19h24. Il est 19h24, ici pas de météo, pas d'horoscope, pas de docteur qui va nous parler d'un truc. Non 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 les amis, vous le savez, vous êtes là pour ça et ça doit faire des millions de vues sur les réseaux, vous devez découper et en parler. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est l'instant BFM et c'est tout de suite. Allez, Bonsoir chers amis, BFM, 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 l'instant BFM, il est 19h25 pour ceux qui nous regardent en direct, bien entendu. Et ce soir, on va étudier les sujets, on va en parler, on va évoquer ces sujets de premier plan extrêmement intéressants, on va décrypter l'information, on va décrypter notre vérité qui est la vérité de tous. Et ce soir, pour en parler, comme tout le temps, nous recevons Alexis Poulain. Bonsoir Alexis Poulain. Bonsoir Nicolas. Vous êtes consultant en clé de bras populaire et champion de MMA rhétorique. Vous êtes notamment l'auteur du livre, le best-seller. Le best-seller, taisez-vous, sinon je vous étrangle aux éditions, puis la boucle. Bien entendu, merci Alexis Poulin-Delta ce soir pour parler d'un sujet extrêmement important. Bien entendu, nous ne pouvions pas faire cet instant BFM sans Rémi Vatremes. Bonsoir Rémi, comment allez-vous Bonsoir, tout va bien, tout va bien. Je vous remercie de m'inviter sur vos, sur vos antennes. Ah ben, C'est toujours un plaisir pour se donner une idée précise. Tout à fait ordonné et objectif de la situation. Et comme Alexis, vous avez un CV long comme le vent de ta mère. Docteur en coup de boule démocratique, profileur, profiler de dissidents politiques. Vous avez été formé notamment à l'école supérieure de rétorsion de Pyongyang et vous avez écrit ce fabuleux essai, « La démocratie, je m'en de la bulle », publié aux éditions du Cachot Humide. Deux gros best-sellers que je vous invite à acheter parce que là vraiment, va. Bah, et ce soir, quelle est la question qu'on va se poser Injure non public, comment faire fermer la gueule de tous ces scandants, ces gaulois réfractaires, ces bouseux, ces cloportes même. Faut-il aller les chercher avec les GIGN Faut-il les déshériter et les exproprier Chers amis, Alexis Poulin, là-dessus. Euh, je crois que ce n'est pas la première fois qu'on a un débat sur euh, la complosphère et sur euh, l'ennemi de l'intérieur, la cinquième colonne. Euh, il est évident que la France a pêché pendant des années par... Euh, naïveté je pense euh, sur ses capacités en fait à protéger sa démocratie euh, mmh. mais on a aujourd'hui sur notre territoire et ça depuis les gilets jaunes euh, des gens qui sont des agents de l'étranger clairement hein, qui sont euh, ne va pas les nommer, mais, mais pour la plupart euh, un féodé à un régime euh, russe notamment, euh, et qui ont pour objet, avec une autre branche qui est celle de l'islam radical, de déstabiliser la démocratie française et les fondements même de la République. Et euh, après des années finalement de déni de la part des politiques, euh, eh bien euh, le danger a été pris sérieusement. Et je qui a remercié euh, un sénateur comme Claude Maluret, par exemple, qui était un des premiers à alerter hein, sur euh, ce genre de euh, d'ennemis de l'intérieur, mais aussi euh, un ancien premier ministre comme Manuel Valls, qui a permis aussi hein, de euh, d'avancer davantage hein, sur euh, ce qui était euh, un sujet centrale, encore une fois, et qui a été oubliée volontairement par, je pense, une jeunesse naïve politique qui, aujourd'hui, grâce à Emmanuel Macron, eh bien, est pris très au sérieux. Il est temps de faire fermer leur gueule aux Français. Voilà. Et si on ne le faisait pas, eh bien, le risque était que ce pays soit totalement déstabilisé et que ce soit absolument le chaos. Donc, enfin, j'ai envie de dire, enfin une loi à la hauteur de la menace. Hmm. Euh, Rémi, là-dessus, on leur a déjà coupé le référendum, mais il, ces gens-là continuent. Ces gens-là continuent, comme le disait très justement Alexis Poulain, de déstabiliser le pays de l'intérieur, sortir, manifester, menacer la cohésion nationale. Faut-il vraiment sévir contre ces Français, finalement, qui ne sont que des gens de l'étranger euh, On l'a vu d'ailleurs, les punaises de lit hein, euh, venues tout droit de Moscou et du Kremlin. Euh, que que faut-il faire, euh, Rémi, à là-dessus Quelle indignité. Quelle indignité. Excusez-moi, voilà. De... Je, je, je vais mettre le pied dans le plat. Les pieds dans le plat, même. Excusez-moi. Je, je vais être très, très clair avec vous déjà. J'aimerais qu'on arrête hein, de, comme ça de diffuser des, des, des fake news qui font le jeu des complotistes. Quand vous dites que oh, des gens sous-entendent qu'on va interdire le, le, le bas peuple de penser, encore faudrait-il qu'il pense. Voilà, Excusez-moi de, hein, de, voilà, de lutter contre ces gens qui répandent l'idée qu'en bas... On pense, non. On, on ne pense pas, monsieur, comme disait l'immense Jacques Brel, qui sera d'ailleurs repris avec joie par l'équipe Kids United pour les JO. Non. Ce que je veux vous dire par là, ce que je veux vous dire par là, en étant tout à fait rigoureux, c'est que tout cela, au bout du compte, profite à quoi Profite à quoi Je vous le dis, je vous le demande. Bah, à Vladimir Poutine. Voilà, s'il est réélu aujourd'hui à 87%, les chiffres indépendants, d'accord, de Conspiracy Watch, hein, une étude brillante qui a été menée oui. main dans la main avec oui. la fondation Doggy Style, oui. les études parlent de 139% de voix. C'est normal oui. Alors que la France, Emmanuel Macron n'en est même pas à 50, malgré... Le plébiscite du peuple, hein, voilà. Donc, voilà. Je, je pense que tout ça, ces lois, sont tout à fait normales dans un État démocratique. Et je le dis, voilà. Je vais peut-être un petit peu, voilà, m'emporter. Mais allez voir en Corée du Nord, voilà. Allez voir mmh. en Corée du Nord. Mmh. Si oui. et, et on en reparlera. Voilà. Mmh. Excusez-moi quand même de euh, mettre les choses à plat. Mmh. Mais Alexis Poulain, la question que je pose, moi aussi, je vais mettre les pieds dans le plat dans cet instant BFM. Et merci d'être si nombreux à nous regarder. Les Français sont-ils trop cons pour la démocratie oui, oui, oui. Ah, euh, alors non, il faut faire confiance à l'intelligence collective, j'ai envie de dire. Mais euh, la question, c'est qu'est-ce qu'on appelle démocratie euh, Si c'est demander aux gens de voter, euh, c'est déjà beaucoup. Euh, oui. Si ensuite ils doivent savoir pourquoi ou pour qui ils votent, alors là, on rentre vraiment dans du grand n'importe quoi. Donc heureusement qu'on a quand même réussi à, à organiser tout cela d'une manière assez sage hein, à l'image d'une cour de récré ou d'un jeu au ballon prisonnier euh, mmh. qui fait que euh, on vote globalement pour une marque de lessive tous les cinq ans et ça suffit et, et mmh. ça suffit bien j'ai envie de dire mmh. puisque euh, euh, nous avons des personnalités émérites comme bernard henri à alain Minck mmh. euh, ou encore jacques attali qui sont là pour de toute façon euh, assurer que ce pays ne sombre pas dans, dans ce chaos hein, que je que je citais et que je cite dans mon ouvrage. Donc, euh, non, tout va très bien. Euh, et, et je crois qu'il faut arrêter euh, ce défaitisme ambiant de croire que les Français sont trop stupides. Non, non, ils sont euh, tout à fait euh, aptes euh, à, à gérer. Mais, euh, Rémi, j'aimerais revenir sur le cas de la Corée du Nord. Bon, euh, mais... C'est un pays très bien tenu. Euh, il faudrait aller en Corée du Nord pour y voir qu'on y vit très bien et que là justement on a un peuple qui profite des bienfaits d'un leader qui a su comme Emmanuel Macron asseoir les bases d'une société harmonieuse. Donc euh, bon euh, après bon chacun évidemment est libre d'organiser sa société comme il l'entend mais euh, voyons voyons ce qu'on veut en réalité qu'est-ce qu'on veut eh Bien je le redisais et je pense que c'est la, la base première. On veut que les Français ferment enfin leur putain de grande gueule. Bon ben bah voilà, bon bah je crois qu'on y est. Rémi là-dessus. Est-ce doivent-ils fermer définitivement leur grande gueule, les Français hein Est-ce que ça ne suffit pas, les manifestations, <laughs> les troubles à l'ordre euh... public, les, les agriculteurs qui bloquent les autoroutes? Est-ce qu'ils vont vraiment, une bonne fois pour toutes, fermer leur gueule, les amis Voilà, petite livraison de Pierre Palmat. Oui, 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 non. Si, si, je vais vous répondre. Je vais vous répondre, non mais voilà, parce que c'est une excellente question. C'est une excellente question et je suis ravi de venir sur ce plateau. C'est ici qu'on se pose les vraies questions. Là encore, là encore, j'ai envie de remettre les choses à plat. Les Français, c'est quoi les Français Les Gaulois réfractaires qui, tous les ans, menacent le pays de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, des nazis de l'extrême gauche, pourquoi pas même des carnivores. Voilà, non, cette menace n'est plus possible effectivement. Aujourd'hui, je crois que le droit de vote doit être remis en perspective et euh, pour ça, j'aimerais citer voilà le, le bouquin formidable de Kamel Wali qui a écrit La Star Academy ou le futur de la démocratie et qui explique que finalement le vote démocratique pourrait se faire comme à la Star on envoie des SMS, un euro par participation, on vote pour son candidat, au bout du compte, on a une poêle à frire, on ne verra pas la différence. Mais arrêtons avec ces fantasmes d'un autre temps, arrêtons de croire en la France éternelle. Vous n'avez pas honte? Le maréchal Pétain, Jeanne d'Arc, un barbecue à gaz. Donc arrêtons, voilà, arrêtons avec tout ça. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le futur, c'est l'Europe. C'est l'Europe, notre projet européen qui se construit jour après jour dans la transparence, dans la vérité, dans l'honnêteté. Et je salue Ursula von der Leyen, mm. qui d'ailleurs sera nommée d'ici quelques semaines, sur proposition de son mari, sera nommée Reine des Neiges, Reine d'Angleterre. Et ça, c'est excellent. Voilà, excusez-moi d'y souscrire. Donc voilà, que tout le monde aille se faire cuire le cul dans le respect de la transparence et du respect des opinions divergentes, ça me mmh. semble important. Mmh. Une nouvelle fois, dernière question, messieurs l'instant BFM, vous êtes très nombreux, merci beaucoup. Toute dernière question, avant de clôturer l'Instant BFM. Finalement, est-ce que les derniers, les prochaines élections européennes sont-elles la dernière planche de salut Et faut-il en finir avec les élections locales Quand je dis locales, c'est bien sûr les élections nationales, hein, qui sont un peu permettez-moi, un peu dépassées, Alexis Poulain ou pas non, je crois qu'il faut garder quand même cette idée de, de communion. Après, évidemment, il faudrait un candidat unique. Ce serait l'idéal, bien entendu, ou quelques candidats choisis. Enfin, on a vu en Russie notamment, ça s'est passé de manière tout à fait éloquente. Donc, un candidat unique me paraît être une solution de concorde responsable et nécessaire compte tenu hein, des, euh, des tensions qu'on peut voir ça et là dans la société française Rémi le dernier mot est pour vous sur ce point j'aimerais paraphraser j'aimerais citer une grande poétesse que j'apprécie tout particulièrement qui disait dans l'un de ses titres majeurs Oh Jadja Oh Jadja Je suis pas ta catin Jadja et je crois que ça, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui de la démocratie. Non, ça n'est pas la catin des extrémistes, des factieux, des connards, excusez-moi de le dire, voilà, qu'il faudrait aller chercher, mettre les menottes et les faire vacciner de force, monsieur, même s'il n'y a plus de Covid. On ne sait jamais. Voilà. Donc, c'est voilà, ce que j'aimerais dire. Protégeons oui. notre démocratie et ne laissons pas le, la, la, la voie ouverte à ceux qui ne euh, votent pas pour nous. Voilà. Mesdames eh et messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cet instant BFM. Je vous le rappelle, Alexis Poulain, consultant, clé de bras populaire et champion de MMA rhétorique, vous êtes auteur du livre Taisez-vous, sinon je vous étrangle aux éditions, tu la boucle. Et Révi, Rémi Vattremez, docteur merci. en coup de boule démocratique, profiler oui. de dissidents politiques. Et vous avez été formé notamment à l'école supérieure de rétorsion de Pyongyang. Et vous avez écrit aussi, comme Alexis Poulain, oui, un fabuleux essai, je cite. La démocratie, je m'en tamponne la bulle, publié aux éditions voilà. du Cachot Humide. Si je, si je peux juste rajouter également que je suis un gros baiser, voilà, ça me semble important de le rappeler. C'est toujours important, comme ça, ça permet d'ouvrir le débat, bien entendu. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cet instant BFM TV, merci beaucoup, bonne soirée, et en tout cas, à très très bientôt. Ah, vous m'avez fait galérer. Vous m'avez fait galérer. J'ai perdu mon sang-froid. J'ai perdu mon euh... sang-froid. Oh merde! <laughs> j'ai perdu mon sang froid je suis désolé j'essaie de Voilà, là, 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 là. dites nous d'ailleurs si vous avez aimé cet instant BFM n'hésitez pas à le repartager oh Monsieur, oui. On est, on est dans le rôle à chaque oh fois c'est un truc euh, tu te rends compte que tu peux aller très loin hein. une, fois, une fois que tu as ouais. ce droit là tu vois tu comprends qu'il dérape tout le temps en fait c'est pas des dérapages c'est juste normal tu vois la dernière là c'est ma préférée en ce moment celle avec les cheveux partout là, qui disait ouais mais non mais euh, à Gaza de toute façon ceux qui crèvent c'est les vieux et les gamins mais c'est normal euh, on va pas appeler ça une famine. Et là, je sais. C'est vrai que quand tu te. Alors, désolé, on s'est mis dans la peau, mais apparemment, vous adorez ça parce qu'on nous en parle en permanence, ces tests en BFM. On vous remercie d'être là ce soir. Plus de 7500 personnes, vous êtes hein, actuellement sur l'ensemble de nos réseaux. Euh, c'est vrai que on... si on se met trois secondes à côté d'eux. Ah, il y a mon téléphone qui C'est BFM TV, je, je réponds. Je... <laughs> non, bon, on rappellera après. Mais tu te dis que les mecs sont un godi, en fait. C'est du godi. Oui, c'est du godi. Et hop, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, ouais. à gauche. Il s'arrête pendant le vin chaud. à droite, à droite, droite il descend tranquille. C'est ça, tranquille, hein. tranquille, tranquille. Ouais. tranquille. C'est incroyable. En tout cas, messieurs, le, le mot de la fin, je vous le laisse. Ouais. Allez tous Donc. bien vous faire. C'est formidable. On est toujours en live, les amis. On est toujours en live, on est toujours avec vous, bien entendu. Bien entendu. <laughs> Bon, prochaines émissions, prochaines vidéos demain matin. Alexis, tu nous fais ton émission quand même de, 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 de la revue bien de sûr, presse. Bien sûr, bien sûr. Demain, la revue de presse euh, sur le, le monde moderne euh, et, euh, et on verra ce que ce qui, ce qui, ce qui, qui, la nuit nous réserve et euh, ce que les, les rotatives euh, du matin nous auront euh, livré. Puisque euh, le principe, nous, c'est de lire quand même la presse mainstream hein, pour, pour voir un peu comment c'est écrit tout ça. Mais, mais, euh, oui, voilà. c'est un peu le problème. Moi, je, prends des, je, je, je me calme comme je peux, mais c'est compliqué du coup. <laughs> Rémi, histoire la prochaine vidéo sur euh, le juste milieu, juste milieu. La farce tranquille, farce tranquille demain, 20 mars à 18h. Et puis, euh, puis voilà, on est, on est bien, on est au rendez-vous, on bricole. Et puis vendredi wow. prochain, il y aura le JT des JO. Ça c'est le nouveau format où je m'amuse un petit wow. peu. Je me fais plaisir. <laughs> Les, Les des JO, bon. c'est bien. Alors, le premier invité exclusif de Rémi, c'est Amélie Oudia Castera, la ministre de la Bourde <laughs> Olympique. Elle a accepté de venir en exclusivité. sur oui, le. On le va faire du un milieu. duo dans une chanson qu'on a coécrite. qui s'appelle Le vent souffle fort bien. dans ma trompette petit bijou de, de poésie. Bon, ah, la poésie. Bon. Qu'est-ce qu'on serait sur la poésie Qu'est-ce qu'on ouais. qu qu serait sur Gérard Larcher aussi Vous avez tous les programmes, Gérard Larcher, formidable. Euh, ah, vous formidable. avez tous les programmes, bien entendu, et demain soir, moi, ça sera Tatiana Ventos à 18h. Et regardez-nous en bon. replay. Et si vous regardez l'un, regardez l'autre après, bien entendu. Et euh, jeudi soir, je recevrai Yann Godin, qui est lanceur d'alerte sur la Pôle Emploi. Vous allez voir Yann Godin, il envoie du très lourd. Donc demain soir, Tatiana Ventos, et, dem... et, à... et jeudi soir, Yann Godin, vous ne le connaissez pas, ce nom ne vous dit rien, mais c'est un gros lanceur. D'alerte sur, sur ce qui se passe vraiment à Pôle emploi. Messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. En tout cas, merci pour cette alerte générale, cette nouvelle à dire générale numéro 10. Alexis, bonne soirée à toi. Merci, bonne soirée. Cher Rémi, pareil, bonne soirée à toi, en tout cas. Ciao les copains, à la prochaine. Et gardez et la vous avez, vous avez été très nombreux ce soir, plus de 7500. Je le répète, n'hésitez pas à nous aider, à nous à vous abonner à euh, Alexis, Monde Moderne, le, tous les matins, à la revue de presse, et à Rémi, juste au milieu, bien entendu. Et à Pouch Media, on a vraiment besoin de vous. Allez, on lâche rien, les amis. Consommer, gueulez français, bye bye, vive la démocratie. Salut, ciao, bonne soirée à tous. Salut, ciao. Ciao. ciao.